On se retrouve dans un nouveau vlog, hein, pas une nouvelle vidéo, enfin si une nouvelle vidéo, mais c'est un vlog plus précisément. Bon, oui, la cuisine, c'est très intéressant. Du coup, bah, aujourd'hui, comme prévu dans la vidéo de dimanche passé que vous avez vu, que bah, moi c'était hier en fait, donc dans le journal du mois de février, je vous ai dit que j'allais sûrement vlogger pendant ces semaines où en fait bah, je foutais rien concrètement. Enfin, je foutais rien si là j'ai tout préparé. Enfin, je vais travailler pour l'école puisqu'on a reçu des trucs à faire. Enfin, en tout cas, là je vais faire géo et anglais, il me semble ce que j'ai dit. Parce que je me suis fait une feuille. Ouais, je vais faire voilà la pensée que j'ai mis faire géo et anglais. Voilà, voilou. J'espère que ça vous plaît cette idée. Parce qu'en vrai, j'avais pas d'idée de vidéo, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente. J'avais pas du tout d'idée de vidéo pour bah, du coup les 3 week-ends. Enfin, je ne sais pas trop si. Genre, l'écurie rouvrait le 4 avril, donc ça faisait donc le 22. Le 20. Je sais plus quelle date. Bref. Et du coup donc ça me faisait 3 dimanches pour faire une vidéo, donc je me dis autant faire des vlogs parce que j'avais vraiment pas d'idée, et comme ça ben je suis comme si je parlais à quelqu'un parce que ben voilà, je rien à faire quoi, enfin voilà, en plus enfin je sais pas, il me semblait qu'il allait faire un peu plus beau cette semaine, pour l'instant il fait gris, donc c'est super. Donc voilà, donc là je suis seule, ma mère est partie travailler, enfin, parce qu'elle part, elle travaille lundi, mardi, mercredi, et vendredi et samedi matin. Donc j'ai dit je vais sûrement pas vlogger du coup, mais quand je suis seule, oui, pour moi ça me fait une présence. Donc là comme je vous dis, je me prépare à travailler, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là on a mon ordi. Enfin, l'ordi de ma mère. Mais du coup, j'utilise. Oui, ça, c'est ma coque. Parce que je dois changer à chaque fois de coque. Parce que sinon, avec ça, c'est un peu chiant de mettre sur mon pied. Enfin, bref, on s'en fout. Parce que je sais pas si vous faites ça. Moi, souvent, quand je fais mes prépas chez moi, voilà, genre le mercredi, le samedi ou quoi, soit je regarde une vidéo genre sur YouTube. Genre, surtout quand c'est des grosses vidéos, voilà. Ou soit je regarde Netflix, j'y arrivais. Je regarde bah, mes séries Netflix parce qu'au moins j'avance dedans. Voilà, donc même si je suis pas tout le temps sur ma série, bah, j'entends la série, donc je comprends quand même les trucs. Donc parfois quand je dois vraiment me concentrer, je mets pause voilà, pendant 5 minutes, je regarde pas et tout. Mais au moins ça me met un peu de... Enfin voilà, parce que sinon je travaille en silence et faire des prépas en silence... J'aime pas trop, enfin, quand je travaille genre en cours, en classe, j'aime pas avoir du silence. Genre quand il y a des gens qui parlent et tout, ça m'énerve. Mais quand je suis chez moi, genre avoir de la musique ou avoir genre un fond de vidéo, enfin, un fond d'une série, j'aime bien. Donc voilà, ordinateur. En plus, j'aimerais envoyer des trucs par email à des profs, enfin bref. Mais ça, je ferai vendredi, je pense que là, je vais faire juste par écrit, genre un brouillon. Et... Ensuite, bah là, bah du coup, c'est mon bloc de feuilles qui, enfin, voilà, qui est un peu pété, mais bon, voilà. Et du coup, mes deux fardes, j'en profite pour vous dire comment je fonctionne pour aller en cours. Donc, j'ai deux fardes. Donc, ça, c'est ma farde que je prends avec. Et ça, c'est ma farde qui reste tout le temps chez moi. Et en fait, je prends juste les cours que j'ai besoin la journée. Enfin, voilà, c'est ce que j'ai besoin. Je mets tout ça là-dedans, et voilà, donc là, c'était quand même vendredi, donc j'avais quand même assez bien de cours, mais les jours où c'est plus, et du coup, ben là, c'est tous mes cours qui restent, donc je vais essayer d'équilibrer mes deux fards, parce que de toute façon, ben là, j'ai pas de jour de cours spécifique. Donc voilà, on va commencer à travailler. Je vais allumer mon ordi, et c'est parti. C'est parti pour cette semaine, enfin c'est 3 semaines de travail et tout, je ne sais pas si on me voit, normalement on me voit, mais c'est pas grave, c'est parti. Hey, il est 11h30, donc j'ai commencé vers, je sais plus, vers 10h, un truc comme ça, ouais. Du coup là j'ai travaillé, donc il me reste
un truc, enfin, vite fait en géo. Mais ça, au pire, enfin, j'ai le temps, en fait, c'est pas genre pour vendredi, parce qu'en anglais, c'est des trucs qu'on doit rendre pour vendredi par mail. Du coup, bah, j'ai un peu moins de temps, entre guillemets, mais il me reste juste du dialogue à finir, à décrire. Et des exercices sur les comparatifs. Donc pour cet après-midi, et du coup, bah, j'aurais fait ce que je voulais faire aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que je vais arriver à ça pour aujourd'hui. Comme ça, bah, demain, je fais ce que j'avais prévu. Pour l'instant, j'ai pas reçu d'autres mails de prof. Du coup, bah, pour l'instant, bah, je suis un peu dans le néant. Parce que, genre, en psycho, j'ai des trucs à faire. Ça, on a vu vendredi, parce que j'ai eu psycho. Et donc, ça, je vais faire petit à petit tout. Mais c'est vraiment pour la semaine de. Enfin, on doit rien rendre, en fait. Ici pendant un jour, donc on doit pas envoyer de mail de nos travaux et tout. Donc j'ai en fait jusque bah, au moment où on rentre, en espérant que ce soit genre le 20, je pense que c'est vers le 20 avril, en espérant que ce soit là, parce que si c'est genre après, enfin si c'est encore rallongé, bah, je ne sais pas comment on va faire pour les examens et pour tout ça. Déjà, je pense qu'ils vont peut-être les reculer, je ne sais pas du tout, bref. Mais du coup, bon, voilà, je vais essayer de faire les trucs que je dois faire pour la rentrée, que je sais pas. Enfin voilà, en français, on a. Normalement, on doit envoyer un mail à quelqu'un de ma classe et qu'il doit nous le donner. Et du coup, ben, là, on l'a pas encore reçu, mais je sais qu'il y a des trucs qu'on doit faire, donc, dont un exposé. Informatif, enfin bref, et donc je vais le commencer un peu à faire. Je pense que demain je vais m'y mettre un peu. De toute façon, vous serez, comme c'est surtout de la semaine, ben, ça va évoluer, mais c'est juste que là on est lundi, c'est vraiment le premier jour où ben, voilà, on est comme ça dans le néant et on ne sait pas trop quoi. Donc voilà, là donc je suis à l'épisode 4 du coup de la saison 3. Parce que voilà, je l'ai commencé à la regarder, pas vendredi, samedi. J'ai commencé à regarder samedi parce que je devais encore terminer The 100, donc les 100. Donc là, je suis à l'épisode 4, il y a 8 épisodes, donc ça va aller assez vite. Je pense qu'après, soit je re-regarde la saison 3 et je la regarde en sous-titré espagnol, ou alors je regarde tout la saison 1, saison 3. Soit je regarde un autre film ou un truc comme ça sur Netflix, ou je recommence une autre série, ou soit je regarde, mais je ne sais pas encore si je regarde juste la saison 3, La Casa de Papel en version originale sous-titrée français, pour que je me rappelle un peu où on en est, ou si je regarde toute la série, mais toute la série, c'est, ça va être quand même long. Et j'ai déjà regardé plusieurs fois. Donc je sais pas trop, mais voilà, parce que là, la saison 4 sort le 4 avril. Donc voilà, donc je ne sais pas encore ce que je vais trop faire sur Netflix. De toute façon, je peux aussi regarder, j'ai les Twilight en DVD, j'ai les Harry Potter. Donc je peux me faire aussi un marathon Harry Potter ou Twilight, ou même Hunger Games sur Netflix, ou Divergent. Je ne sais pas encore. Voilà, il faut aussi que je répète ma danse pour mon spectacle de danse qui se tient le 23 et le 24 mai, en espérant qu'on ne doit pas l'annuler, parce que bah, du coup on a beaucoup de répètes en moins, dont les répètes du final, donc j'espère que ça va aller. Voilà, donc je vais commencer, je vais manger peut-être vers midi et demi, voilà, pas trop tôt, parce que bon, je me suis réveillée à 8h05. Mon réveil a sonné à 8h05, j'étais réveillée un peu avant, mais. Je me suis pas levée. Donc je mangeais vers 8h30, un truc comme ça. Enfin, 8h20, quart. Voilà. Donc je vais pas manger tout de suite. Mais voilà. J'espère que vous aimez bien un truc, enfin un mini-vlog, enfin des vlogs comme ça. Pour l'instant, il n'y a rien d'intéressant. Peut-être y aura un truc plus intéressant après. Mais voilà.
Hey, donc là, je viens de finir de manger. J'ai mangé des tartines. Non, c'est pas très intéressant. Donc là, je suis à l'épisode 5 de la saison 3 de Elite. Voilà, 19 minutes 46. Donc voilà, là, je vais faire genre une sieste ou je sais pas. Faut même me dire, enfin, tu fous rien quand même. Donc je sais pas si tu es fatiguée. Mais j'ai fait de la merde, c'est pas grave. Et après, je vais terminer de ce que j'avais à faire aujourd'hui pour les cours. Et voilà. Et ça m'énerve cette mèche. Parce qu'elle veut pas se plaquer comme ça. Ça me saoule, c'est pas grave. Donc voilà. Hey. Du coup là, il est actuellement, je vous le dis tout de suite, 17h06. Ce que j'ai fait cet après-midi, j'étais dans mon lit, j'ai regardé Netflix, hein, Elite, que j'ai fini, hein, parce qu'après je suis redescendue et j'ai mangé un bout. Donc je suis redescendue parce que mon lit il est en hauteur en fait. Du coup c'est pour ça que je dis je suis redescendue mais sinon j'habite dans un appartement donc voilà. J'ai été manger à 4h. Puis j'ai un peu travaillé enfin de plus que vers 17h. Donc j'ai travaillé bonne heure. Une heure. Une bonne heure mais c'est vrai que j'en pouvais plus. En fait, c'est de faire des trucs, mais d'un côté, enfin, je peux le faire genre un autre jour et tout, donc je me mets moins l'impression que, genre, si c'était une grosse prépa, ben, je suis obligée de rester plus longtemps. Mais je vous jure, enfin, j'ai fait anglais là toute la journée. En fait, j'ai presque tout fait ce que je devais faire pour la semaine. Enfin, après, je vais remettre ça sur. Enfin, après, les envoyer, mais genre. En soi, le travail vraiment réfléchir, ben, j'ai fait presque tout qui était juste à faire pour vendredi. Donc j'ai fait presque que de l'anglais et à un moment donné, ça m'a saoulée. Donc j'ai dit, bon, tant pis, j'arrête, j'ai quand même bossé ce matin, cet après-midi, mais j'ai pas fait rien de ma journée. Demain aussi, je vais faire, mercredi aussi. Jeudi, peut-être un peu moins, comme je suis avec ma mère, donc je vais peut-être, enfin voilà, c'est cette personne que je vois en ce moment. Les temps sont durs, en plus il fait gris, je sais pas si vous voyez. Voilà, il fait gris. Enfin. Voilà. Voilà. Il y a des enfants là en bas. Hey, donc jour 2, mardi 17 mars. Donc on est le jour 2 en fait de la semaine. Enfin voilà, enfin, bref, on s'en fout. Je suis en train de regarder le vlog de Bibi Chou Family. Voilà, je regarde un peu YouTube. Donc, quelle heure est-il? Vous allez me demander peut-être. Il est 14h. Non, je sais plus. Je vais regarder ça tout de suite. Si ma tablette veut bien. Parce que si elle aussi est si mais ça ne devra plus le faire. Donc, update un peu de tout ce qui se passe. Oui, bonjour, tablette, réveille-toi. Il est 14h27. Voilà. Tout ce qui se passe, enfin voilà. J'ai reçu des choses à faire encore par des profs. Donc voilà, après, vers 15h et quelques, je me mettrai à des trucs. Ce matin, j'ai pris ma douche, j'ai fait mes tresses. J'ai un peu travaillé. Puis je suis sortie, j'étais à rejoindre ma mère. Donc elle travaille dans une pharmacie. Et j'ai été rejoindre ma mère pour manger après. Donc on a été chercher un sandwich parce que les sandwicheries sont encore ouvertes, mais juste à emporter. On a mangé à la pharmacie et je vois vraiment que les gens sont très stressés. Enfin, en tout cas, enfin, il y a déjà eu plein de monde qui sont venus chercher des dafalgans et tout. Et en plus, enfin, franchement, c'était l'heure du temps de midi de ma mère, donc normalement, bah, c'est fermé. Et il y a des gens qui osent sonner, alors que c'est fermé. Bon, il y avait peut-être juste l'enseigne allumée, mais bon, si tu l'éteins, elle la rallume 1 heure après, enfin voilà. Mais de base, ça se passe jamais comme ça. De base, y a personne en fait sur le temps de midi. Donc voilà, donc elle a quand même servi une personne, mais j'ai cru qu'elle jamais mangé. Hein. Mais voilà, c'est toujours pour les mêmes trucs. J'ai demandé à ma mère genre ce qu'ils prenaient et c'est toujours vitamines,
Dédalfalgan, parce que les. Enfin, il y a certains types de. Enfin, les ibuprofènes, c'est pas si bon que ça. Enfin, vous avez ju sûrement les infos. Thermomètre, alors j'ai été hyper étonnée quand elle m'a dit ça, parce que thermomètre, moi, enfin, on a toujours eu des thermomètres à la maison. Enfin, on en a même deux. Enfin, on n'a même pas un, on en a deux, je sais pas pourquoi. Mais. Moi, j'ai l'impression que tout le monde a des thermomètres. Enfin, t'as des thermomètres chez toi parce que, bah, enfin, voilà, tu peux être tout le temps malade. Enfin, je comprends pas. Juste maintenant, ouais, enfin, voilà. J'étais là. Les gens n'ont pas de thermomètre chez eux. C'est très bizarre. En sachant que quand t'as un bébé ou un enfant bas âge, tu dois normalement avoir un thermomètre chez toi. Enfin, j'ai pas trop compris, mais apparemment, les gens n'ont pas tellement de thermomètres chez eux. Voilà, après, des gels désinfectants, sachant qu'il y en a plus dans les pharmacies. Donc, c'est un peu le bordel, enfin bref. Donc voilà. Sinon, quand je suis rentrée, j'ai vu que bah, du coup, l'euro était reporté à 2021. Voilà. Moi qui attendais cet euro avec impatience, voilà. Voilà, bon, c'est vrai qu'ils avaient dit peut-être vers fin automne, début d'hiver. Mais bon, c'est vrai que dans les régions où ça se passe, ben, il fait pas non plus hyper chaud à ce moment-là. Donc il est reporté à 2021. Voilà. Bref. Loïc Notet qui préfère reporter la date de sortie de l'album parce qu'en fait, ben, les magasins, soit ils sont fermés, soit ils veulent plus se faire livrer et tout. Enfin. Du coup, bah, il n'allait pas trop sortir l'album. Du coup, bah, reporté même en digital, il me semble. Ouais. Donc, c'est très saoulant. Enfin bref, là, j'ai un peu un coup de barre et tout. Enfin voilà, parce que c'est pas. Voilà, deuxième jour, il y a trop de genre mauvaises nouvelles qui arrivent et tout. Enfin voilà. Mais bon. Sinon, comment vous allez? Ouh, voilà, on sera dimanche à ce moment-là, donc il y aura peut-être plein de trucs qui auront encore chamboulé. Enfin voilà, on va au jour le jour, donc voilà. Ça va aller, les gars. On est tous ensemble contre cette merde. Donc, bah, moi, go YouTube. Hey, du coup, là, j'ai fini de travailler. Enfin, il est 17h49. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il y a des gens qui parlent. On s'en fout. Qu'est-ce que j'ai fait là? En gros, j'ai fait mon propre, entre guillemets, de. En gros, j'ai envoyé tous les trucs que je devais faire en anglais pour cette semaine. Mais j'ai envoyé. Et du coup, bah, j'ai dû faire sur Word et tout, faire un fichier Word pour que ce soit plus pratique. Et du coup, j'ai fait ça de 15h30, 40 jusqu'à 17h30, un truc comme ça. Parce que je vais chercher des trucs, en même temps, j'ai regardé d'autres trucs, machin. J'ai fait un peu mon planning. Donc, demain, je vais normalement faire ma critique de film. Enfin, en gros, c'est pas un film, c'est un court-métrage. Parce qu'en fait, on avait l'interro. Je l'ai un message. On avait normalement l'interro. Je sais plus. Mardi. Enfin, aujourd'hui, en fait. Mais du coup, bah voilà. Change mon programme. Du coup, elle nous fait un devoir. Donc, je vais la faire demain. Normalement, parce qu'on doit la rendre, on doit l'envoyer lundi, donc au plus tard lundi. Donc voilà, il y a aussi pour le livre, et ça c'est au plus tard vendredi. Donc je ferai vendredi, pas ce vendredi-ci, mais le 27. Donc je pense que ça je le ferai peut-être la semaine prochaine. Donc ça vous verrez dans le vlog. Un peu trop de soleil, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait là aussi? J'ai enlevé toutes les vidéos donc du début du vlog et je les ai mis sur l'ordi. Il y a déjà beaucoup de vidéos. Enfin, j'ai beaucoup parlé, mais pas de choses très intéressantes. Mais j'ai beaucoup parlé, c'est vrai. Mais du coup,
C'est sur l'ordi. Ce sera un long vlog, hein, sûrement, parce qu'on n'a pas de mardi. J'ai quand même quelques minutes de vidéo. Mais bon, au moins, ça vous fera passer le temps. Vous pourrez regarder en plusieurs parties. Ou quand vous avez du temps à tuer pendant au moins 2 heures, ben, vous avez une vidéo. Voilà. Me remerciez pas, me remerciez pas. Donc voilà. Donc là, je sais pas ce que je vais faire, parce qu'il est presque 18h. Ma mère rentre vers. Enfin là, elle était à pied vers 19h10. Comme ça, car je ne sais pas. Donc voilà. Voilà, toujours avec maîtresse. Je kiffe faire des. Enfin, c'est vraiment quand j'ai le temps et tout. Donc je les fais. Elles sont pas hyper bien faites non plus. Mais j'adore en faire après avoir pris ma douche, parce qu'après j'ai des genres d'ondulations. C'est pas beaucoup, si bouclé que ça. Vous verrez demain. C'est pas si bouclé que ça. Surtout que demain, ça va être déjà un peu ça peut dire. Mais moi, ayant les cheveux, je sais pas si vous voyez, voilà, très raides. Enfin, voilà, là, il y a ouais, un peu mouclé, c'est parce qu'ils viennent de. Enfin, un peu ondulés, parce qu'ils viennent d'être lavés. Mais voilà, je pense que ça se voit. Ils sont très, très raides. Et du coup, bah, je fais des tresses pour parfois avoir une autre gueule. Et j'aime bien, je trouve que ça va bien. Bref, on s'en fout complètement, mais je me sens seule en fait. Il fait beau, hein, franchement. Regardez, regardez. Vous allez avoir le soleil, c'est pas grave. Il fait beau. Enfin, tout à l'heure, quand je suis sortie, franchement, j'avais mon petit pull là. Donc, c'était un t-shirt avec mon pull et ma petite veste que je mets plus printemps et début automne. Et j'avais bon franchement, parfois je vois même ma veste parce qu'il faisait bon. C'est ça qui est chiant parce qu'il fait beau. Mais voilà, j'ai encore plus de la peine pour les Français et nous on sait pas, ça se trouve ça va arriver dans les jours qui suivent. Mais Français c'est confinement, enfin voilà, ils ont besoin d'une attestation de circulation et tout. Voilà. Je sais pas si on va y arriver à là maintenant, mais ça veut dire que si une attestation et tout, bah, je sais même pas si je pourrais, genre, à part. Enfin, part pour. Donc demain, je devrais aller au magasin. Demain matin, je sais pas quand. Parce qu'on habite tout près. Enfin, pas 5 minutes à pied. Et je vais refaire un magasin parce qu'on a presque rien. Plus rien au frigo. Et donc, ouais. Mais du coup, je pourrais même plus aller manger avec ma mère. Parce que bah, si on se fait contrôler, dire ouais, je vais manger avec ma mère à la pharmacie, enfin voilà, c'est pas très. Enfin, je peux manger en soi chez moi, quoi. C'est juste pour voir des gens et pour sortir. Parce que sinon, en fait, je sortirais pas vraiment, enfin, à part sur la terrasse. Donc, je ne sais pas. Vraiment, je suis dans le néant. Hier, je vous ai pas dit ça. Je vais mettre le bras, mais vous allez voir ma main. Mais j'ai pas pris mon truc. Donc là, je suis avec mon autre coq et je vais avoir mal au bras après. Hier, je vous ai pas dit, je pense pas. J'ai répété. Ah, j'ai peut-être dit. J'ai répété la choré de mon spectacle de danse. Voilà. En sachant que je ne sais pas du tout comment ça va se passer après pour le spectacle de danse. Mais voilà, j'ai répété. J'ai demandé à ma prof c'était quoi le nom de la musique et j'ai répété. Donc ça va, au moins que comme ça je l'ai encore dans mes jambes, parce que sinon si je répète pas je serais perdue et j'arriverai plus à rien. Donc ça c'est cool, ça c'est très très cool. J'ai fini Elite comme je vous ai dit. Conseil film. Je sais pas si donc voilà, comme on aura encore 2 semaines. Même plus avec les vacances et peut-être, et j'espère pas, mais si on doit rallonger, mais j'espère pas le prix qu'on ne doit pas rallonger. Idée film. Et donnez-moi aussi des idées de séries. Voilà, pas non plus basique. Voilà, j'ai vu les 100, enfin les. Andrew, à chaque fois je le dis en néerlandais, je ne sais pas pourquoi.
J'ai vu La Casa de Papel, j'attends la saison 4. Non, 3, oui, 4. Elite, j'ai déjà vu. Riverdale, ça me tente pas trop. Stranger Things, ça me tente pas trop. Voilà, mais des idées de séries, genre, qu'on n'en parle pas trop, mais qui sont très bien. Dites-le moi. Genre, moi, j'ai des séries à conseiller. Règne. Donc, Reign. Donc, ça parle de la reine Marie Stuart. The Wayne, donc de espace Wayne, donc Rain, désolé pour mon accent anglais dégueulasse. Pourtant, je viens de faire anglais pendant ces 2 jours-ci, mais voilà. C'est ça, c'est cool, c'est genre. Mais c'est un peu genre. C'est un peu du temps, mais non. Parce qu'en gros, il y a un virus qui circule dans la pluie et tout. Et après, enfin, ils doivent aller dans des bunkers. Enfin, bref, c'est genre apocalyptique de ouf. Mais elle est cool. Après, je sais pas trop. Enfin, voilà. Donc, ça y est, parce que je trouve qu'après les autres, Korn, c'est connu. Enfin, après, c'est assez connu. Mais un film à conseiller, c'est un film Netflix. Donc, Netflix. Parce que je pense pas qu'il est sur un genre HDS ou tous ces trucs bizarres. Ce truc bizarre que j'ai été une fois, mais c'est pas grave. Il y a Tall Girl qui est sorti, je sais pas quand. Mais en fait, de base, je voulais le regarder avec ma pote Léa, que vous avez déjà vu dans des vidéos. Pendant qu'on était au voyage scolaire, enfin, quand on était dans l'avion de Rome à Bruxelles. Sauf qu'on était tout nouveau pas à côté et du coup on n'a pas regardé. Mais du coup il était encore sur ma liste et du coup je me suis dit bon on va regarder, ça a l'air cool. Et franchement c'est cool. En gros c'est l'histoire d'une fille qui est lycéenne, enfin ça se passe aux États-Unis. Et en fait elle fait 1m85 et du coup bah, c'est pas très commun pour une fille de faire 1m85 et du coup il y a toute une histoire et tout. Et franchement c'est hyper bien, je pensais que c'était un peu... Enfin voilà, non c'était bien. Par contre, ne regardez pas Horse Girl. Enfin, moi, j'ai regardé les 30 premières minutes. Je me suis emmerdée. J'étais dans le train en plus et je me suis emmerdée et je me suis mis de nouveau à ma série Les 100 parce que franchement, c'était. J'ai pas compris. En fait, le nom s'appelle Horse Girl, mais sur 30 minutes. Allez, 40 minutes. Enfin, je sais plus combien de temps que j'ai regardé. J'ai regardé. Tiens. Parce qu'il est encore sur mon truc, la reprendre. Attention, avec une main, c'est très compliqué. Je vais mettre pause. Je regardais sur Netflix pour voir combien de temps j'étais. Mais franchement, c'était nul. En fait, ouais, j'étais même pas la moitié. Je vais voir. Je vais mettre pause tout de suite. J'étais à 27 minutes 42. Très exactement. Et il me restait 1h16 de film. Et sur 27 minutes, il y a deux passages de 5 minutes dans une écurie. Alors peut-être après c'est mieux, mais je sais que Rêve Compulsif, donc Cassandre la chère Rêve Compulsif, a essayé de regarder et a arrêté aussi parce qu'elle trouvait ça. Enfin, elle comprenait pas en fait. Et moi non plus, je n'ai rien compris. J'étais là. Mais en fait, où elle va, en gros, la meuf, hein, elle travaille quelque part, puis elle va dans une écurie, elle parle à une fille, et genre, elle donne un déconseil en mode... Vous voyez, genre, le style de cavalier qui donne des conseils, mais bon, qui sont pas non plus un niveau hyper élevé et tout. Puis, genre, elle fait une soirée avec le mec de sa coloc et un ami de... Enfin, voilà. Puis, enfin, il y a des trucs trop bizarres et moi, j'ai pas compris. J'étais là, mais pourquoi Horse Girl? Alors, peut-être après, il y a vraiment... Parce que je suis vraiment pas loin. Mais en fait, je me suis emmerdée et je comprenais pas où ça en voulait aller. Et du coup, voilà. Et surtout que même dans le descriptif, enfin, on parle de toutes ces pensions, mais... Ok, il y a aussi l'équitation, mais en fait le truc ça mérite pas du mettre Horse Girl pour un petit truc qui, enfin voilà, il y a des films aussi où on voit des chevaux, on est dans une écurie, mais ça, enfin ça porte pas tout le temps le mot, enfin il y a pas tout le temps le mot cheval. Par exemple, le coup de foudre en Andalousie, je sais pas si vous avez vu, c'est avec Agustín Galeana et
Et franchement, ça se passe donc en Andalousie. Il y a des chevaux dedans, enfin voilà, ils montent des chevaux, enfin voilà, ils s'en occupent. Mais pour autant, le nom, c'est pas coup de foudre à cheval ou je sais pas quoi, c'est coup de foudre en Andalousie. Je pense que c'est ça, le titre. Voilà, je n'ai rien compris à ce film. J'étais déçue. Et du coup, mais c'est toujours d'en reprendre. Mais je ne reprendrai jamais ce film, en fait. Donc, ça sert à rien, Netflix. Enlevez-moi ça de ma vue. Et je cherche, genre, pour voir, pour l'enlever, parce que c'est chiant, parce qu'à chaque fois, j'ai Rose Girl, alors j'ai pas envie de continuer ce truc. C'est nul. Bref. Donc voilà pour mes petits trucs Netflix. Je vais regarder Les Deux Papes, parce que j'ai mis dans ma liste. Et voilà. On se retrouve, je ne sais pas quand, je pense qu'on se retrouvera demain, parce que je ne sais pas si je vais encore filmer aujourd'hui. Je ne pense pas. Donc on se retrouve sûrement demain. Demain est un autre jour. Demain je dois faire ma critique. Faut que je me dise que je dois la faire parce que sinon je la ferai jamais en fait. Donc parce que en fait c'est un truc très chiant. Enfin c'est long. Et faut que je trouve l'inspi et tout. Et voilà. Donc faut vraiment que je la fasse demain parce que sinon parce que je dis en fait quand ma mère travaille pas. Et qu'on va nettoyer un peu tout l'appart parce que les titres service, donc on a une femme de ménage et titres service ont décidé de suspendre leur activité. Du coup, pas le choix, on va faire à nous-mêmes. Mais bon, voilà, de toute façon, on a le temps, enfin, ça va aller. Mais du coup, je pense que je vais peut-être moins travailler ce jour-là. Peut-être faire un match. Juste parce que franchement, elle nous a à peine donné prof de maths. Ce qui est très bizarre. Mais voilà, je suis en maths 4, je suis pas en maths 6, mais quand même. Et vendredi, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je n'ai toujours aucun boulot pour néerlandais, ce qui m'étonne très fortement. J'ai une pote à moi qui m'a dit qu'en sciences, on recevrait sûrement un travail à faire. Je ne sais pas, je ferai peut-être psycho jeudi. Ouais. Je ferai peut-être psycho. Ouais, je pense que j'ai mis psycho. Parce que genre, je vous ai dit que j'ai genre une feuille avec tout ce que je veux faire. Parce qu'il faut que je me mette des points, sinon en fait je les ferai jamais. Ou je serai là, ouais, je fais ça et après je change. Donc je préfère essayer d'être directif, au moins me dire quel jour je fais ça, si c'est pas le matin ou l'après-midi. Enfin voilà, je mets pas le matin, après-midi, mais. Voilà, après je mets entre parenthèses. Après, maintenant, ici, normalement, je vais faire l'exposé en français. Déjà, voir et tout. Sauf que je me dis. En fait, je me suis dit, autant mettre. Enfin, envoyer tous les trucs. Oh merde. Je vais couper parce que ma batterie, c'est en train de se barrer. Donc, c'est vrai, 5%, ça va très mal. Bon, on se revoit demain. On reparlera encore.